Le peuple Baoulé, à l'honneur au centre de protection de la petite enfance de Cocody. À l'occasion de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle, les enfants de ce centre ont été plongés dans la tradition de ce peuple à Caen. Tenues vestimentaires, chants, danse, musique, histoire et poésie sur le peuple Baoulé et en langue Baoulé ont meublé cette journée. Les langues maternelles constituent la majeure partie des langues parlées. Elles sont aujourd'hui menacées d'extinction. Il est donc important de les préserver en intégrant leur apprentissage chez les tout-petits dans le système éducatif. Quand tu as tout perdu, si tu as ton identité, même c'est encore bien. Mais de plus en plus, nos enfants perdent leur identité. Quand tu leur demandes en classe, tu es de quelle ethnie ? Ils disent, je suis français. Pourquoi ? Parce que c'est le français qui parle à la maison. Que les parents apprennent leur ethnie à leurs enfants. 7000 langues sont parlées dans le monde entier, dont plus de 60 en Côte d'Ivoire. La célébration de cette journée contribue à mettre en valeur les rôles multiples des langues pour la formation de l'esprit et la construction d'une citoyenneté mondiale.